Regardez, 16-11, gilet jaune, c'est écrit partout. Amis du peuple, si aujourd'hui j'ai décidé de refaire une petite vidéo, c'est pour vous parler des plans machiavéliques de nos gouvernements mondiaux. J'ai vu une vidéo hier soir, je ne sais pas si c'est vrai ou si délire, un Allemand qui a dit que le 3-11, à Seattle, il y aura un attentat orchestré par le gouvernement américain pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Je ne sais pas si c'est vrai, vous pouvez regarder sur internet, j'ai vu la vidéo, c'est des montages qu'il y a sur des films où on voit très clairement les tours de, la tour de Seattle ronde qui s'effondre. Dans plein de films, il y a une référence, je ne sais pas si c'est vrai. Mais bon, si c'est ça, ça augure rien de bon. Après, nous voyons aussi que dans tous les pays ça va mal. Au Chili, en Catalogne, au Liban, en Guinée, en Irak, à Hong Kong, et j'en passe, il y en a encore plein. Tous les peuples sont en train de se révolter. Alors si vous, peuple, vous ne comprenez pas ce que l'élite mondiale nous prépare, ça fait déjà 200 ans que c'est programmé. Vous pouvez chercher sur internet Albert Pike, membre fondateur de la franc-maçonnerie. C'était leur grand maître. Il a tout prévu depuis 2 siècles. Mes amis, réveillez-vous. Le 16 novembre, tous dans la rue. S'il faut casser, on cassera. Nous rentrons en guerre contre l'État. Pas contre nous, c'est pas une guerre civile, c'est une guerre civile contre l'État, pas contre le peuple. Hein, les amis, pas une guerre entre nous, hein. Une guerre contre l'État. Nous allons montrer au gouvernement que nous en avons marre comme dans les autres pays. Nous allons nous armer, nous révolter, et nous allons faire comprendre à l'État, la faire trembler. Mes amis, tous ensemble, tous unis, arrêtez de penser à votre petit confort parce que bientôt vous l'aurez plus. Réveillez-vous, portez vos couilles.